Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker. On est parti dans une nouvelle vidéo de Other Side. Et nous sommes R5, donc la cinquième R. On va tout simplement faire une chasse difficile, je pense, à 4 sœurs. J'ai Raise Harmony, ça veut dire qu'il ne me reste plus que 3 badges. Harmony est pas loin d'être level 13. Bon, on le sait, l'objectif c'est d'aller quand même essayer d'aller titiller le boss. Voir si c'est le boss final, essayer de le battre, essayer de gagner. Mais bon, si on n'y arrive pas, au moins on essaye d'XP le plus possible Harmony pour avoir une deuxième série de sœurs extrêmement haut level. Qui es-tu? Tu ne devrais pas être là. Oh, c'est quoi cette bestiole? C'est une sorte d'éclipse? Chelou. 12 ennemis restants. On est parti, donc R5. Bon, il va pas y avoir de révolution au niveau des bestioles hein, qu'on va croiser. On va croiser des ennemis qu'on connaît bien, des faucheurs, des trucs comme ça, des trucs qui sautent partout, qui font chier. Les sœurs comme ça, les danses destin, les trucs. Ça, c'est tout à fait normal. Bien évidemment, ce qui nous fait chier, c'est l'infecté. L'infecté qui est ici. Il est à côté des sœurs épéistes. À côté du sœur de la faux. Donc on pourrait, c'est vrai, s'en approcher. L'objectif, ça va être de s'approcher de ces sœurs-là, je pense. On a un déphasage de Miracle. Si Miracle est pas capable de tuer cette merde, on ne le tuera pas, je pense. Donc il faudrait essayer d'y aller. 85. Ça va être chaud. On tente. On se déplace de 85. Et on tente une lame éclair sur ce truc? Non, il faudrait faire une frappe spectrale sur celui-là. Et c'est pas possible. On va devoir rentrer en rage. Non, on rentre pas en rage puisque on peut continuer de déplacer notre sœur ici. Et de toute façon, elle rejouera Miracle avant beaucoup d'autres trucs. On va amener Modestie ici. On va avoir beaucoup, 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 beaucoup de sœurs à tuer. C'est ça qui semble un petit peu compliqué. Je pense que ces trucs-là, on peut peut-être essayer de se mettre à deux de portée, à éviter qu'ils sautent, etc., etc. Enfin, qu'il y ait toujours le même délire habituel. Et qu'on essaye plutôt de s'occuper des monstres qui seront donc en bas de la map. Essayer de tous se les faire. Ce qui, à mon avis, est largement faisable. Là, on doit réfléchir si on balance pas une hâte sur Harmony pour qu'elle ait le temps de rejouer. Genre, est-ce qu'on refait pas rejouer Miracle si, on peut pas refaire jouer Miracle. Mais on peut refaire jouer Harmony pour qu'elle essaye de tuer l'infecté. On fait rejouer Harmony pour qu'elle puisse faire déphasage. Lame éclair. Et se déplacer quand même de quelques cases. Non, elle ne fait que se déplacer vu qu'elle n'était pas au corps à corps. C'est le travail de... Alors, est-ce qu'on tue les faucheuses d'abord? Oui, on va tuer les faucheuses d'abord. Elles sont censées rejouer en premier les... Enfin, pas les faucheuses, hein, vous m'avez compris, mais c'est les fauches destin. Parce que eux, on les tuera plus tard, je pense. Alors, quelle est la meilleure technique? Si je fais une lame éclair ici, là j'aurai moins de déplacement à faire. Donc, je vais faire une lame éclair vers là. Ah, ça me permet de le one shot. Ensuite, de revenir ici et de faire une entaille. Bien joué, Miracle. Bien joué, Miracle. C'est ça qu'on veut. Elle va se déplacer vers le haut. Donc maintenant, c'est les saloperies du haut qu'il faut gérer. C'est là qu'on voit la puissance de mes sœurs. Ok, ça commence à se déplacer. Le deuxième se déplace vraiment très très loin. Celui-là, il va être chiant parce qu'il va être quasiment à portée. Il faudrait qu'on s'en occupe.
Mélodie aurait tout à fait intérêt à se rapprocher ici, à utiliser 34 PA et à faire une add spirituelle sur Miracle. Et on passe au tour. Faut que Miracle elle rejoue. On peut largement se passer que Miracle fasse quelque chose d'hyper important. Au minimum, essayer de faire une lame éclair. On pourra pas. Il va falloir la faire rentrer en rage. C'est pas grave, je pense qu'on va la faire rentrer en rage. Ou alors elle peut venir là et faire une frappe spectrale. On regarde. Non. Là, elle aurait pu, c'est dommage. Pour sur lui. Miracle rejoue quand même avant cette merde. Hein. On notera. Hein. Là, on va. Je sais pas si elle a les dégâts accrus sur les sœurs. Elle doit les avoir parce qu'elle fait quand même super mal. Ok. Tout va bien, y a pas besoin de tortiller du cul. Tout va bien. Miracle va pouvoir s'occuper de lui. Ah, pas crit. Il est mort, tout va bien. Il reste 6 ennemis. 6 ennemis. Ce qui semble gérable. La question c'est, est-ce qu'il faut pas revenir au milieu de la map comme est Melody? Je pense qu'il faut peut-être essayer de revenir au milieu de la map. Pour cela, il faudrait peut-être faire une add spirituelle sur Modestie pour pouvoir la faire revenir. Je pense que c'est mieux. Et je vais faire vraiment mettre Mélodie à peu près au milieu de la map. Pour éviter que ça chie dans la colle là. Voilà. On a encore Harmonie qu'on va pouvoir déplacer. Harmonie, on va la mettre là. On va bien voir où c'est que ça va pop. Alors, une, deux ici. Ok, c'est deux qui pop là, donc pas de souci. Ça va être facilement négociable. Mon objectif, c'est pas forcément de les tuer avec Miracle. C'est des gueuneuses, donc elles ont une chance de taper si on est trop proche d'elles. Donc on va pas faire le malin, on va décaler un peu quand même, voilà. On est quand même à beaucoup. Faut espérer que là, elles ne vont pas taper quand même. On va mettre Modestie pas loin non plus. On va la mettre là. Mélodie, on va la faire revenir. Il y a d'autres sœurs qui débarquent. Il y a celle-ci et il y a celle-ci. Donc rien de grave. Mélodie peut se déplacer, bien sûr. Elle va aller vers là. Faut que j'essaye de les faire tirer hein, pour qu'elle gagne ces pouvoirs-là. Déphasage, bien sûr. Se mettre là. Donc là normalement ça va commencer à pop. Bien joué. J'ai bien fait de faire un déphasage et de la mettre là. Elles font zéro dégâts. Ah le déphasage à 200 d'armure et 600 d'armure, je peux vous assurer que ça... Oh non. Ça là on n'est pas content. Hein. On n'est pas content que c'est infecté et tapé. Donc là bien évidemment le but c'est de défoncer les sœurs. Et de les faire taper avec. Voilà. Pour qu'elle puisse en tuer une. Voilà. Bien joué, Modestie. Recule ici. Bon là j'aurais dû faire taper une sœur plutôt Mélodie mais...
What? C'est quoi ça? Un brise-espoir. What? On connaît pas ça. Déplacement. Inflige jusqu'à 750 de dégâts à la cible et 732 de dégâts dans la zone d'effet à une portée de 6. Compétence. Déphasage obscur. Inflige jusqu'à 770 de dégâts à la cible. Ok. Sauveuse. Interrompt une attaque sur une alliée et échange sa place avec cette dernière. Puis inflige jusqu'à 1890 de dégâts à l'ennemi interrompu à une portée de 9. Oh putain! Faut qu'on prenne en compte, hein, si on voit sauveuse sombre. Ok, d'accord. On peut plus taper, quoi. Faut la tuer, elle, quoi. Bien joué, Miracle. Où est-ce? Il reste 3 ennemis restants. Remember the suffering of your past. Ok, d'accord. Là, on va laisser taper Harmonie sur l'autre sœur, je pense. On va rien faire. Déphasage à côté. Ok. Victory. Il reste plus que 2 monstres qui pop en soi dans longtemps. Bien évidemment, on retourne au middle. Parce qu'on sait pas où ça pop. Et ça pop ici et ici. C'est 2 faucheurs, tranquillou bilou. Melody pourra se les faire, elle n'a pas trop besoin de bouger. Toujours intéressant de faire ça. De regarder si on peut déphaser de l'autre côté. Normalement, on peut, oui. Hop. C'est quand même très pratique. Armure plus 600, hein. C'est vraiment très très fort d'avoir le déphasage armure plus 600. On va pas se le cacher. Mais on peut pas commencer une partie avec, hein. Vous dites, mais Iker, mais si tu recommences une partie avec ça, ben non, tu l'as pas. Tu l'as pas ce souvenir. C'est un souvenir à 200 de thunes. Tu peux pas commencer avec des souvenirs à 200 de thunes comme ça. Enfin, je crois pas. Il faudra vraiment être lucky parce que ça dépend de la sortie, quoi. Bon là on fait rien, on attend que le faucheur pop. Il peut pas taper au premier coup, on le sait. On va pas faire taper Miracle, on va faire taper les autres sœurs quand même, au bout d'un moment. C'est le one shot. Ensuite Modestie va taper. Je crois que Mélodie elle a tiré qu'une seule fois dans l'épisode. Enfin dans ce combat. Et boum. Ça dégage. Bon. Ça s'est bien passé, on a juste pris le coup d'infecté. Juste pris le coup d'infecté sur Miracle d'ailleurs. Ok, tout va bien. Des traits. Non, pas de traits. Mais Harmony est passée level 13, les enfants. Et ça, c'est beau. 13 et elles sont bientôt 15. Il hein. Y a peut-être possibilité qu'elles soient 15 avant la fin de la semaine 5. Bon, bien évidemment, vous le savez, on peut pas faire grand-chose de plus. Hein. Des synapses à 1200 d'XP avec des sœurs level 7, ça va pas trop bien se passer. Donc, bien évidemment, nous passons au jour suivant. Ok. Bon, si on a besoin de faire une réminiscence 6, très clairement, on fera un autre couple de sœurs. C'est-à-dire, on essaiera de faire 6 sœurs. Level 15, donc on reprendra des sœurs level 10, 11, 9, donc Harmonie, Douce et Belle, je crois, qui sont respectivement 13, 11 et 10, pour essayer de les faire level up 15. Et comme ça, imaginons, on arrive à l'ère 5 avec 6 sœurs et on reste à ce moment-là Harmonie, Miracle et machin, et on a quasiment 6 sœurs level 15, ce qui nous permettrait de faire 2 missions et préparer d'autres sœurs, etc., etc. Ça serait un peu l'objectif. Là, ça serait bien qu'on arrive à récupérer un badge. Donc, difficile. Donc, c'est parfait. C'est un badge en plus à 4 sœurs. Donc, ça nous fait XP nos 4 sœurs. Enfin, XP. On n'a plus besoin de faire XP Miracle. Mais on la prend quand même avec nous. Parce que bah, c'est un peu l'arme de destruction de notre équipe, quoi. Elle fait tellement mal. Et c'est là qu'on voit que, heureusement que je les ai. Alors, ça facilite pas complètement le gameplay. Parce que bah, c'est de la stratégie. Hein. C'est de la stratégie. C'est de la stratégie d'avoir ces sœurs là. Très clairement, on peut faire plus de stratégie dans le jeu, c'est-à-dire on peut essayer de faire plusieurs couples de sœurs et d'essayer de les maintenir tous au même level. Imaginons que vous auriez 6, 7, 8 sœurs au level 10 et vous pourriez donc les soigner, etc. etc. Moi, j'ai pas fait le choix, j'ai décidé de monter à fond une sœur.
Enfin, un couple de sœurs, et je pense que bah, c'est une stratégie qui marche. Il y a des gens qui jouent que des gunneuses. Il y a des gens... Enfin voilà, j'ai vu qu'il y avait des gens qui jouaient que ça. Moi, c'est pas mon style de gameplay, j'avais pas envie de faire ça. Donc voilà. On peut encore se déplacer ici. Ici. Et la lame éclair qui passe. Et qui permet de tuer cette merde. C'est pas des gunneuses ça. Ah si, c'est une gunneuse. J'ai fait le déphasage? Oui, j'ai fait le déphasage. Ça va. On va juste les faire avancer. On sait que ses sœurs jouent, ça soit pas très très grave. Déphasage. Alors, il faut que j'aille taper la gueuneuse, je pense. Je pourrais pas, je pense. Je pourrais pas. Je peux faire une frappe spectrale sur ce truc. Est-ce que ça vaut le coup? Je serai à côté d'un bouclier. Bouclier, ils ont pas encore joué. Non, les boucliers, ils ont pas encore joué. Donc il faut plutôt que je rapproche ma petite harmonie. Que je la fasse pas rentrer en rage, ça sert à rien. Là, ils vont commencer à bouger. Mélodie, elle aurait pas tout intérêt à essayer de tirer sur ce truc et le tuer rapidement. Mais bon, il a 53 de défense, donc elle encaisse quand même pas mal. Ou est-ce que je fais pas plutôt une hâte spirituelle pour qu'elle commence à taper dessus? Oui. On va dépasser 10 PA ici. On va tuer sur elle. Ok. C'est bon, elles ont toutes bougé les sœurs à peu près. Pas encore joué, c'est certain. On a cette merde qui a pas encore joué, qui va paralyser une sœur, mais bon, vu qu'elles ont du déphasage et qu'elles sont à peu près à portée, on va pas rejouer ici Harmony. On veut qu'elle puisse rejouer derrière, donc il y a pas de souci. Il y a pas de personnage qui accélère les attaques des sœurs, donc tout va bien. L'âme innocente, on va la faire avancer ici. On va la faire avancer calmement, quand même pas envie de faire pop un milliard de trucs. Bien évidemment, elle a joué, donc il faudrait peut-être que j'aille la chercher avec avec un truc. Donc là, je pense que le but, c'est d'avancer sur cette case-là, de faire une entaille pour tuer celle-là, et ensuite de faire une lame éclair pour aller tuer l'autre. Ah, je peux pas. Pas de beaucoup à une case près. On va devoir faire rentrer Miracle en rage, malheureusement. Parce qu'il faut, à mon avis, que je tue ce truc. Armure accrue de 600, ça va peut-être lui permettre de tanker l'emproi s'il décide de taper dessus. Là, mes sœurs, il faut que je les fasse s'entraîner à taper dessus, très clairement. Faut que tu tapes. Et tu tapes. Il y a des sœurs qui vont... Ça va, il va y avoir des recréations de Bob. Donc il faut que je sois plus patient. Faut pas exagérer, non. Il y a trois sœurs, là, avec Mélodie, Harmony... Et derrière, une nouvelle fois encore Modestie, je pense que je peux les tuer. Pas besoin de paniquer. Une rafale ici pour que Mélodie puisse améliorer. Ensuite, elle avance. De toute façon, elle rejouera quand même. Vous voyez qu'avoir du 42, elle attaque tous les 42 au lieu d'attaquer tous les 50. C'est quand même très pratique. Hein. Ça, c'est le one shot.
Et ensuite, on va faire un déphasage pour qu'elle augmente son armure de 200. Ah merde, je voulais pas faire ça. Tant pis. Ok. L'âme innocente, on l'a fait bien évidemment avancer. Et modestie, on l'a fait frapper ici et gagner ce combat. Et ensuite bouger. Ce qui va permettre à Mélodie de prendre de l'avance sur modestie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le lamproie, il essaye de paralyser une cible, mais c'est tout ce qu'il fait. Donc tout va bien. On a un déphasage lame éclair à faire. Ok. Il y a des bestioles qui pop derrière et devant. L'âme innocente, on va la faire avancer. Va falloir qu'on réfléchisse. Hein. C'est des portes péchées, un lamproie qui va pop ici. Un brise-rêve, un brise-espoir et un infecté. Donc ça, c'est des priorités. Hein. Ça, c'est deux priorités à tuer. Ça, c'est la troisième priorité à tuer. Le truc qu'il faut d'abord tuer, c'est l'infecté et le machin. Avec Miracle, elles vont pouvoir le tanker, je pense. Les Traque-Joie, les Tranche-Rêve et les Lamproies. Le Lamproie, on a envie de le tuer, bien évidemment. Il va pop et il va ensuite reculer. Donc il faudrait peut-être Harmonie vers le bas. Modestie va avancer. Et on va faire rester... Faut que je les fasse beaucoup avancer. En fait, faut que je les fasse avancer, puis ensuite elles reculeront. Je pense que ça peut être une bonne technique. Je vais pas faire plus. C'est parti, ça pop, ça se déplace. Ah, pas de beaucoup. Voilà cette merde. On veut qu'il tape Miracle, s'il tape quelque chose. Armure perdue. Ah, elle a pris quand même 111. Merde, c'était pas suffisant son déphasage. Son déphasage a pas duré suffisamment longtemps. Voilà toutes ces merdes à tuer. Donc Modestie, ça serait plutôt aller frapper ce truc, hein, non? Ouais. Coup des stocks. Et il y a encore des nouveaux pop. Les trois autres à gérer. On va la tuer. Impressive. Tout elle se repositionne. Pas de soucis. Trois nouveaux pop de mob. Le lamproie, il va commencer à paralyser ces merdes là. Il y a le deuxième lamproie qui pop. Il recule loin. Aïe 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 aïe. C'est la merde. L'âme innocente, on va pas trop la faire bouger, on va la faire aller là. Miracle, elle a tout intérêt à aller tuer l'infecté, bien sûr. Striking. Et le problème, c'est qu'elle a, elle a pas dépassé sa... Elle a pas dépassé, donc on va pas la faire dépasser. Mélodie aurait tout intérêt à reculer. Ouais, il faut pas la faire rentrer en rage. Je me suis peut-être trop déplacé malheureusement. On l'a fait tirer une fois, c'est pas mal. Et c'est tout. Tout ce qu'on fait. Harmonie doit descendre. À mon avis, il faut que je fasse une lame éclair. Donc d'abord ça. Pour ensuite descendre avec un déphasage. Je peux pas le blesser tout de suite. Je suis obligé d'attendre. Miracle, elle doit s'occuper des deux sœurs là qui sont trop dangereuses. Yes.
Je suis obligé de rejouer et la faire rentrer en rage. Faut que je tue ce truc. C'est très très important que je tue ce truc. Mélodie doit absolument tirer sur cette merde. Qui a 156 d'armure. Ouf. Faut que je asse une hâte spirituelle sur Modestie. Oh, c'est chaud du cul. 156 d'armure. Si je fais une hâte spirituelle sur elle, ça change rien. Ça permet de la bouger de 30. Ah si, de 30, ça va peut-être suffire. Une case. Ça suffit. Non, ça suffit pas. Miracle, elle est là. Ça suffira pas. Mais est-ce que ça sert? Il lui reste combien de PV? 2300. C'est intuable, même si je tire en boucle. Je fasse une hâte spirituelle sur elle, alors. Et à mon avis, il faut que je la fasse quand même essayer de tirer un peu dessus. Je tente le coup quand même. C'est par derrière. Ah si, je peux peut-être l'avoir. Ça passe just. Modestie, elle va avancer vers là. Lui, il va avancer. Peut-être se faire paralyser par un lamproie, mais c'est pas très grave. Faut qu'on s'occupe de cette merde là. Je peux peut-être faire essayer d'y aller à pied d'abord. Je pense que c'est peut-être une meilleure idée. Donc ici pour faire la lame éclair. Le one shot j'espère. On ne le one shot pas. Il faut faire donc une entaille. Ensuite faire un déphasage. Et ensuite avancer de 7 mètres là. Ok. Ah merde, il y a des bestioles qui pop là. Pas forcément hyper content. You will stay with us forever. Miracle. Miracle, on va la mettre devant avec 600 d'armure supplémentaire. Harmonie dans la merde. Est-ce que Miracle peut pas s'occuper de ces trois merdes là? Pas sûr, hein. Mélodie doit absolument revenir ici. Ok. Paralyse Modestie, donc elle pourra être inutile. Allez. Tout va bien. Il est temps de remonter. Il est temps de remonter, les amis. Un petit peu. Ok. Alors, espérons que ça tape pas quand on est proche de lui. Et si ça... Pas trop compris ce qui s'est passé, mais... Ah,
ça attaque quand on est proche de lui, malheureusement. On peut faire partir l'âme innocente. Let's go. Ok. Il y a quand même beaucoup de choses à tuer. Hein. Par seul veto. Hein. Faut tuer ces merdes. Non, elles encaissent trop. Il faut que je tire sur lui. Alors, je tue quoi? Ces trucs-là, ils réattaqueront avant Harmony. Ah, mais ces trucs-là, Harmony, elle va galérer à les tuer toute seule. Je suis obligé de bourrer, hein. Oh, on va prendre des coups, hein. On va peut-être perdre une sœur là-dessus, hein. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, les potes. Oh, ça va être chaud du cul. Ah, c'est horrible, alors on va peut-être perdre toutes nos sœurs. Déphasage. Lame éclair. Entaille. Putain, mais on l'a pas tué vraiment? On l'a pas one shot, les amis. Détonation obscure. Oh, on a perdu une sœur. Est-ce qu'il serait pas le temps de se barrer? Est-ce que j'aurais pas dû me barrer avec Miracle? Putain, Miracle va prendre cher. Aïe 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 aïe, les amis, c'est trop chaud. On va perdre Harmony. C'est pas possible qu'elle survive. Ah, c'est dur, hein. Mais ce s'auto-buff, ça devient vraiment compliqué, hein, quand tu... Ça devient vraiment compliqué quand elles ont... quand elles ont beaucoup de... Quand elles sont beaucoup à être en vie. En fait, c'est soit tu arrives à les... Oh là là. On a récupéré un jeton de raise, mais vous l'avez vu, il va falloir en raise trois autres. Bah là, je sais pas ce qu'on aurait pu mieux faire. On a séparé les deux équipes. On aurait peut-être pas dû séparer les sœurs. Faut qu'elles soient encore plus puissantes pour qu'on puisse les séparer. Est-ce qu'il fallait rush la fin, essayer de rush en haut et essayer d'ignorer? Peut-être que c'est ce qu'il fallait faire. Ignorer et rusher vers la hauteur, c'était peut-être le meilleur choix. On peut passer au jour suivant, bien sûr. Si je raise les sœurs, je peux refaire une autre truc. Si je raise par exemple deux sœurs, je peux faire la truc à 800 avec par exemple mes deux sœurs qui ont besoin d'XP peut-être. Je pourrais faire ça. Bon, de toute façon, on va déjà raise deux sœurs. Ils sont obligés d'être raise.
Il me reste plus que Modestie, qui est vivante. Harmonie, elle arrête, puis elle est remorte instant. C'est vraiment un truc de ouf Remember that college? comment ça devient dur. Hein. Pourtant, tu sais, c'est marrant ce jeu parce que des fois tu te dis ouais, c'est devenu trop facile. Puis d'un seul coup, tu fais ah non, finalement non, c'est pas devenu trop facile. C'est pas facile. Et voilà, il va me rester plus qu'un badge, les amis. Ah, elle est chaude, Live life c'est while chaud cette doing so. réminiscence 5, les amis, c'est chaud du cul. On a perdu énormément de souvenirs. Donc très clairement, je pense qu'il faut que j'aille. Il va falloir que je rebuffe toutes mes sœurs. Et il va falloir que j'aille faire la petite mission tranquille. Donc Miracle, c'est reparti. Lame éclair. Entaille. Alors on a plus grand-chose, hein, parce que forcément à chaque fois on les utilise. Augmente les dégâts critiques d'une compétence de 30%. Ça c'est super fort, ça coûte 250. Et regardez, on a coup de grâce. Ajoute un effet de zone autour de la cible qui inflige 708 de dégâts. Cette attaque ne peut pas infliger de dégâts coup critique. Bah, je trouve ça un peu nul à chier, parce que 708 de dégâts, ça sert juste à tuer les petits charognards au début du jeu. C'est tout. Hein, ça sert pas à tuer grand-chose, 708 de dégâts. Donc j'aime pas trop ce truc. Augmente les dégâts du coup critique d'une compétence de 30%. Ça pourrait être intéressant. Alors est-ce qu'on le met sur l'entaille ou est-ce qu'on le met sur la lame éclair? Sachant que Miracle, elle a un truc comme 25% de chance de coup critique ou quelque chose comme ça. Chance de coup critique 27. Une chance sur 4. J'ai limite envie de l'utiliser sur la lame éclair pour voir si on peut pas solutionner le truc, c'est-à-dire des fois bah, ça soit directement un kill. Voilà, ça soit directement un kill avec la lame éclair, je pense que c'est peut-être une meilleure idée. Ensuite avec entaille. On va prendre quoi avec entaille? Entaille, qui est une attaque qu'on utilise souvent aussi. Réduit le rayon de déplacement de la cible de 50% pendant le truc. La cible subit 10% de dégâts en plus. Réduit le rayon de déplacement, augmente les dégâts coup critique, augmente les dégâts d'une compétence. C'est la même chose, sauf que ça s'appelle pas pareil. Augmente les dégâts critiques d'une compétence de 20%, augmente les dégâts critiques d'une compétence de 20%. On va faire ça. La frappe spectrale, c'est toujours immobilise la cible. Alors il faudrait peut-être que j'essaye d'immobiliser les cibles de temps en temps. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal d'essayer d'immobiliser les cibles. Le truc, c'est est-ce qu'on a toujours de quoi immobiliser une cible? La cible agit 20 d'initiative plus tard. C'est pas mal, engourdi, hein. 20 d'initiative plus tard, c'est quand même. Voilà. Immobilise la cible, on l'a. On le prend. Sur Mélodie. Ah, on a aussi bien évidemment à ajouter, mais je crois plus qu'on l'ait. L'augmentation d'armure, les amis, on ne doit plus l'avoir. Ouf, octroie à une unité 800 d'armure durant 30 d'initiative. Retraite. Oh, c'est tellement fort, il faut que j'apprenne à l'utiliser correctement. Et on va directement mettre sur Harmonie l'autre. C'est mes moyens de tanker, ça. Hein. Ça, c'est des gros gros moyens de tanker, les amis. Hein. Octroie 600 d'armure. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Le truc, c'est que ça peut pas être mis sur un garde-foi, parce que tu dois pouvoir le mettre que sur Grâce du Forgeron, quelque chose comme ça, où elle a 600 d'armure supplémentaire quand elle fait Grâce du Forgeron, mais j'ai pas envie de l'utiliser avant le boss final, ce genre de pouvoir-là. Rafale. Sur Rafale, qu'est-ce qu'on peut mettre de bien? La cible agit 25 d'initiative de plus. Ça coûte pas cher, Rafale, hein. C'est vrai que c'est pas mal de mettre ça sur elle. Bien évidemment. On a perdu Mélodie. On a perdu Mélodie, donc il faut directement aller mettre Hâte spirituelle et essayer de voir. La cible agit 10 d'initiative plus tôt. Ça, c'est vraiment très très fort. Est-ce qu'on a mieux? Est-ce qu'on a mieux sur l'initiative? La cible agit 15 d'initiative plus tôt. Bien évidemment, on met ça pour qu'elle joue encore plus rapidement. Et la rafale, on a dit qu'on pouvait partir sur un
Un petit. La cible agit 25 d'initiative plus tard. C'est quand même fort ça, hein, sur Rafale. Ça coûte pas grand chose. On peut faire retarder les sœurs tout en les tapant un petit peu. C'est vraiment pas mal. Élan spirituel, bon là, c'est pas... On pourrait faire un boost sur les trois. Non, c'est bon. On arrête là au niveau de mélodie. Il faut restuff également Harmonie, bien évidemment, qui elle est un peu dans la merde. On est d'accord. On n'a pas de augmente les chances de coup critique parce qu'on l'avait ça à une époque. On n'en a pas redrop. Augmente les chances du coup critique d'une compétence. C'est pas mal quand même. Non, c'est pas sur entaille que j'aurais dû le placer. C'est sur lame éclair, je pense. C'est sur l'arme éclair que j'aurais dû le mettre, je pense. La cible agit 20 d'initiative plus tard. La cible subit 10% de dégâts en plus durant 30 unités d'initiative. Augmente les chances de coup critique d'une compétence de 10%. On va prendre ça. On va prendre de l'augmentation de chance de coup critique. J'ai quand même l'impression que les lames, les maîtres lames, si on augmente leur chance de coup critique, elles feront suffisamment mal. On n'est pas obligé d'augmenter les dégâts critiques. Frappe spectrale, bien évidemment. Le but, c'est d'immobiliser les cibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? La cible subit 10% de dégâts en plus. Ok, non, ça on s'en fout. La cible subit des dégâts en plus, on s'en fout. Réduit le rayon de déplacement de 50% pendant 100 unités d'initiative. Ça permet de sacrément réduire le déplacement d'une unité. Le truc c'est que c'est pas dingue. Elle subit 15% plus de dégâts pendant 40 unités d'initiative. Ah, c'est tellement fort ça si t'arrives à le cumuler sur un boss. La cible agit 25 d'initiative plus tard. 25, c'est quand même beaucoup. Hein. On va faire ça. Ça immobilise pas la cible, mais ça la fait attaquer dans 3 jours et 3 nuits. Ok, bon. Attaque. On peut refaire une synapse, une chasse éprouvant à 800 avec deux sœurs, genre Miracle et Harmony. Moi, j'ai quand même envie de m'amuser à le faire. Voilà. Parce qu'on sait que c'est des sœurs qu'on aime bien, et voilà. Et ça permettrait d'Harmonie de se rapprocher du level 14. Yes. Ce qui serait pas mal. Et normalement, c'est censé bien se passer, on va pas se cacher quand même. Harmonie et Miracle qui partent en mission, c'est censé envoyer du bois. C'est censé détruire des culs, on est d'accord. Hein. C'est censé détruire des culs. La saloperie d'infecté. On s'en rapproche. Avec un déphasage. Bon, là, normalement, elles vont avoir de l'armure en plus. Ça va devenir débilus, quoi. 800 d'armure supplémentaire. Pendant combien de temps? Ah, peut-être qu'elle l'aura pas. C'est pendant 30 unités d'initiative. Donc, elle l'aura pas. Donc, il faut absolument que je tue cette merde. Je me décale là. Normalement, je peux faire une lame éclair sur ce truc. Mais le problème, c'est que je serai au corps à corps de l'autre truc. Donc, il faut encore que je recule d'une case. Mais je peux pas. Si, je peux. Ok, c'est parfait. On pouvait pas mieux faire. Harmonie. Il reste deux autres bestioles, donc tout va bien. Harmonie, elle va tout simplement faire un petit déphasage pour aller là. Puis ensuite faire une petite lame éclair. Ici. Est-ce qu'elle peut le tuer? Est-ce qu'on joue le fight pour tuer là? 3613. Bon, si elle crit, oui, mais si elle crit pas, non. Ça veut dire que derrière, il faut que je fasse entaille. Je pense qu'il faut mieux plutôt être prudent et rien faire. Ça ne one-shot pas. On va taper deux fois. On recule un petit peu derrière pour voir ce qui se passe. On a des mobs qui vont bientôt réapparaître. Le faucheur qu'il faut réussir à gérer. On fait une lame éclair. Et derrière, une entaille classique. Et ensuite, on passe au truc suivant.
des sœurs qui pop. Mais de toute façon, on est dans un tout petit périmètre, donc normalement, elles devraient se rapprocher pas mal. Armure accrue. Petite lame éclair. Elle est morte. Striking. Pas se le cacher, c'est Miracle qui fait tout. Yes. Remember the suffering of your past. Flesh is its canvas. Saloperie. Ok. So. Oh merde. Vous voyez le problème. Miracle va se faire pop d'une tranche rêve qui va directement la taper. Et je peux rien y faire parce que cette saloperie a réussi à toucher mon personnage et je pouvais pas savoir où ils allaient pop. Oh, je suis deg. Bah, il va attaquer aussi lui. Ah, ça fait mal. Oh non, mais... C'est quand même supra difficile. Ces putains de saloperies d'infectés de mes couilles, là. Aïe. Je les déteste, vraiment. Saloperies, quoi. Miracle qui a perdu 4. Regardez les PV qu'elle perd. Bon, allez. Hop. Miracle va nous plier tout ça. Fait chier quand même. Hein. C'est censé être des... Vous vous rendez compte ? On a pas de bol parce que ça joue à rien là. Comment je peux éviter le coup d'infecté ? Comment ? Rat de bibliothèque. Ah si, on a dû récupérer des tonnes de machins. Encore un trait supplémentaire peut-être ? Non. Que de l'XP. Putain, Miracle, elle a pris tellement cher. Putain. Mais c'est je sais, il faudrait que je regarde la rediff. Je comprends pas pourquoi je prends ce coup là. Y a beaucoup de réflexions à se faire. Il est vraiment bien ce jeu, hein, je vous le conseille. Même si vous avez regardé Let's Play en intégralité, vous allez découvrir des choses, vous allez peut-être trouver votre propre gameplay. C'est vrai que moi, les souvenirs, j'utilise principalement du dégât. Je pense, parce que le problème de prendre du retard d'initiative, c'est que ça fonctionne bien en PVE. Mais contre les boss, pas du tout. Donc il faudrait peut-être se faire une spé. On retarde tous les monstres. Genre toutes les compétences de toutes nos sœurs, ça retarde les attaques des ennemis. Ça pourrait peut-être le faire. Quelque chose comme ça, j'en sais rien. Enfin bref. Allez, on se retrouve dans un prochain épisode de Otherseed. Ciao.